Alors, vous étiez et vous êtes encore actuellement dans l'appartement. Vous venez d'assommer cet homme qui semblait arrogant et qui semblait assez énervé et remonté contre la femme et vous avez découvert son terrible secret, sa revente de cassettes pornographiques. Et vous l'avez assommé du coup. Il y a du sang encore sur le sol parce qu'il est ouvert malgré tout vu le PC qui s'est pris sur la tête. Et toi, Sarah, tu es actuellement avec la femme qui pleurait que vous avez secourue. Qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Sarah, faudrait peut-être que tu essayes de lui parler pour voir comment elle se trouve vis-à-vis de nous, en fait, de ce qu'on vient de faire. Est-ce qu'elle est en mode ah, je vais vous dénoncer, je vais appeler la police, ou genre un grand merci et puis basta quoi. Ben déjà, je vais aller la réconforter. Ben, on est d'accord qu'elle est en train de pleurer là. Alors, elle a encore ses larmes sur ses joues, mais tu vois qu'elle était avec vous quand même. Quand vous l'aviez Je tapé, elle comprends. était, elle avait envie de s'acharner aussi sur lui et elle n'avait pas envie de l'aider quand vous vouliez quand même voir s'il était vivant ou non. Elle avait l'air d'être satisfaite, même pratiquement satisfaite qu'il meure. Ce qui est cruel. Mais mérité vu ce qu'il a fait quand même, j'ai envie de Mériter dire. la mort ou non, vu ce qu'il a fait, est une chose qu'on ne peut pas juger, en tout cas actuellement. Du coup, je vais m'approcher de la femme et essayer de la rassurer un petit peu en... Enfin, juste aussi un peu essuyer les larmes qu'elle avait sur les joues. D'accord. Alors tu t'approches d'elle et tu vois qu'elle tremble un peu, sûrement par les nerfs. Elle vient d'avoir un gros coup nerveux. Elle était vraiment mal à cause de lui et sûrement avec la scène, ça a dû la perturber quand même, mignonne. Et tu la vois qu'elle te remercie. Elle sèche ses dernières larmes aussi. Elle fait merci, merci pour ce que vous avez fait. Ce type est un connard. C'est un merdeux. C'est bien normal, ne vous en faites pas, il ne pourra plus rien vous faire. Et puis on ne pouvait pas vous laisser comme ça sans agir. Puis là, tu vois qu'elle te regarde et qu'elle te dit, vous pensez qu'il est mort? Je sais pas, mais vous voulez aller voir peut-être? Elle fait, non, je pense que je vais m'asseoir un petit peu ici ou je devrais peut-être partir. Bah, clairement, vous avez deux choix. Essayer de partir pour refaire quelque chose ou techniquement, vous avez peut-être une preuve ou quoi que ce soit qui pourrait mince, comment dire, l'incriminer, non? Les preuves, oui, enfin, il y en a sur son ordinateur. Et je sais qu'il y a aussi des. Enfin, il passe souvent des appels aussi au téléphone. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a encore quelque chose, un appel. Peut-être la caméra aussi. Enfin, du coup, j'ai vu la caméra dans la... Oui, enfin, vous ne devriez pas regarder ce qu'il y a dans la caméra. Je préfère la prendre. Oui, ne vous en faites pas. Prenez-la. Très bien. Peut-être, vous devriez peut-être fouiller son téléphone, mais. Ben, écoutez, c'est ce que je vais faire. Restez là. Prenez-vous et je viendrai vous chercher quand... Ça vous va? Ça marche. Merci beaucoup. Et Ça remerciez vos amis aussi. l'a fait. Alors tu vois qu'elle essuie ses dernières larmes. Puis qu'elle s'assoit sur le lit aussi. Elle fait, je reprends un peu mon souffle et. Je peux pas sortir actuellement. Ne vous en faites pas. Reprenez votre calme. Tout se passe bien. On va vous aider avec nos amis. Et du coup, je commence à sortir de la chambre. Très bien. Alors là, en sortant de la chambre, tu retombes dans la pièce principale où se trouvent Lily et Kaito. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait de ce mec?
Bah écoute, techniquement. Du coup, attends, je vais faire comme elle l'a dit, essayer de choper son portable. Alors, n'oubliez pas que vous êtes Si dans je peux. les années 90. Il y a un téléphone apparemment Ce mural. téléphone. Ah, ce Il y téléphone, avait des portables déjà, qu'on est dans le 90-2000, mais tout le monde n'en a pas forcément. Mais il y a un gros téléphone mural près de la cuisine. je vais essayer d'y aller. Alors, Lily et Kaito, si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas, hein, allez-y. Aussi. Il aurait pas un portefeuille sur lui. Donc, tu le fouilles? Moi, Très bien. Alors, en fouillant, tu peux voir qu'il y a une petite liasse avec 80 $. Money. Tu peux ajouter 80 $ à tes ressources. Tu peux mettre un point de ressources actuellement, temporaire, évidemment, que tu ne regagnes pas. C'est un point de ressources que tu dépenses comme ça, temporaire. Et avec, tu as un flyer avec une petite adresse avec marqué l'église du plaisir. Trois petits points, le pape vous bénisse. Putain, ça peut servir. Tu peux remarquer que cette adresse se trouve à Chinatown. Est-ce que ce serait pas l'adresse que m'a donnée Tommy Bellucci? Parce qu'il m'avait parlé d'un gars qui revendait. C'était Tommy Pilucci qui t'avait parlé de ça déjà? Ah, tu me mets peut-être le doute là. Je crois pas. Non, Tommy Pilucci était pas au courant de tout ça, je crois. C'était Non, c'était moi quand ouais. j'ai quand je l'ai mordu. Désolé. Pas de problème. Du coup, Lily, Sarah va vers le téléphone, mais Lily, si tu veux faire quelque chose, une action. Moi, je voudrais bien demander à Sarah du coup ce qu'elle a pu tirer de la Très d'Ève, bien. enfin de la personne, pour savoir est-ce qu'elle a eu des infos, est-ce qu'elle a des preuves de ce qui s'est passé, autre que le Bah, blessé, bien sûr. Genou. Ouais, vas-y. Genou la scène, Lily, donc. Bien, vas-y. Sarah, du coup, elle t'a dit quelque chose? Enfin, est-ce qu'elle aurait d'autres preuves que le PC qu'on pourrait donner pour pouvoir nous aider en même temps qu'elle soit tranquille avec ce mec, quoi? Justement, c'est pour ça que bah, techniquement il y a la caméra, mais elle veut pas trop qu'on s'en serve vu que c'est un peu. Je crois que c'est elle qu'on a filmé sur le coup et elle a dit peut-être regarder au niveau du téléphone vu qu'elle a eu beaucoup. Enfin, il a eu beaucoup d'appels, donc ce serait pas mal d'essayer de voir ce qu'on peut tirer. Après, comme tu dis, il reste encore la caméra, même si c'est elle. Enfin, j'ai entrevu les scènes vu que je les ai supprimées, mais si ça peut l'aider, elle serait pas d'accord pour qu'on puisse garder la caméra. Je En tout cas, pourrais tout essayer le de temps, la. on respectera son intimité, bien sûr. Oui, je peux essayer de la convaincre, mais elle semblait pas vraiment d'avis de l'utiliser, en fait. D'accord. Bon, bah, faut voir avec le téléphone si on a autre chose. Yep, du coup, bah, tu viens avec moi ou. Ouais. Du coup, on est deux au téléphone. Alors vous allez au téléphone et vous voyez toute qui reste apparemment deux messages qui sont restés sur la messagerie. Le premier, vous entendez une voix féminine. Johnny, t'es pas encore là au rendez-vous là. Je t'attends au resto comme d'habitude. Enfin le resto où on s'était dit de se rencontrer. Ah, et tu fais chier. Tut, tut. Le dernier message, quant à lui, est tut. Vous avez un nouveau message. Alors, le dernier message est un message provenant apparemment d'un homme à voix grave. Oui, t'es pas là pour la vidéo que tu devais revendre. Le pape t'attend. Et tu sais que le pape, c'est le genre de mec à pas emmerder. Il a des contacts dans la mafia, etc. Enfin, tu le sais quoi. J'ai l'impression que je te rappelle ça toutes les semaines, bordel. C'est vraiment pas le genre à déconner. Sans déconner, la dernière fois, j'ai essayé de l'arnaquer parce qu'il a une tête un peu. Voilà. Il semblait pas très. Bon, bref, j'ai l'impression qu'il m'écoute de partout depuis que je suis passé dans son magasin. Bah, bref, rejoins-moi au magasin. Et on prend l'argent et on se tire. Vous en pensez quoi? Il n'y avait pas le haut-parleur? Si, Il n'y a si, pas si, de il y a. haut-parleur sur les téléphones Ah. comme ça. Si, Kaito a entendu aussi. Ok. Du coup,
Du coup, est-ce que moi, l'église du plaisir, ça me parle? Alors Ou toi, pas du tout. l'église du plaisir, apparemment non, t'en as jamais entendu parler. Pourtant, le flyer a l'air hyper neuf, c'est quelque chose qui s'est construit il y a vraiment très très peu de temps, apparemment. Sûrement tu étais en mission, tu traînais pas trop, et tu es quelqu'un qui ne traînait pas non plus quand tu étais Yakuza, tu n'allais pas voir les prostituées, tu n'étais pas trop en train de traîner dans ce genre d'endroit. Parce que ça m'étonnerait que ce soit une connexion, enfin, qu'il soit en lien avec mon clan Yakuza, mais potentiellement ça peut être une mafia italienne ou quoi. Ça peut m'intéresser en tout cas, si je peux les faire chier au passage. Hein. Du coup, Kaito, t'en penses... Enfin, Lily, Kaito, vous en pensez? Voilà, je pense que par rapport à ce que Kaito a eu dans la carte dans son portefeuille et ça, je pense qu'on a le lien sur l'endroit ou la personne qui pourrait s'occuper de la revente des vidéos. Donc par rapport au contact de Kaito dans la police, ça peut peut-être l'aider pour les preuves, sauf si Kaito veut s'en occuper. Bah, le problème, c'est que si le mec est en connexion avec la mafia, du coup, il doit forcément avoir des contacts un peu comme moi dans la police et être couvert aussi. Ouais. Mais d'un autre côté, si on y va, faut s'attendre à être reçu, quoi. C'est pas faux. Alors, n'oubliez pas que une mission beaucoup plus importante plane sur vous, mais que ce genre d'opportunité peut aussi vous ouvrir à de nouveaux contacts. Peut-être, peut-être pas. Mais ça peut vous amener à d'autres endroits qui pourront peut-être vous aider plus tard. Bah, je me dis qu'après, si le mec qui baigne dans des affaires louches, potentiellement, il a peut-être entendu parler d'une cassette qui est passée par là, quoi. Surtout si en contact avec la mafia. Du coup, moi, je rebondis juste sur ce que Kaito a dit parce que j'aimerais faire un genre de pacte avec Kaito. Ah. Donc, j'aurais besoin de savoir, est-ce que, par rapport à ce que je vais te proposer et à cette fameuse cassette, est-ce que si je m'engage à... Enfin, plutôt dans l'inverse. Si tu m'aides dans une mission mais que tu me promets de pas tuer la personne, moi je peux m'engager de mon côté à pouvoir t'aider à retrouver les personnes qui ont par exemple buté les gens dans ton clan. Est-ce que tu serais d'accord? Bah, parce que sur ce que je vais te dire, j'ai besoin que tu m'aides et que du coup que tu butes pas la personne qu'on voudrait aller voir. Après, c'est quoi les limites des dégâts physiques que je peux lui infliger, quoi? Faut pas Est-ce le qu'un bras tuer. tranché, ça passe? Non. Un bras en moins, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça repousse pas, hein. Je suis pas sûre qu'il apprécie. J'accepte, mais je mets une condition. C'est que Laquelle? si la personne en question, il s'agit de mon sire, je vais rompre le contrat et je vais le tuer. Hein. Ça va être... C'est Bah ma ça seule après condition. moi je. Ok. Alors dans Mais... ce cas, moi je pactise avec toi. Et je voudrais te parler en fait de cette cassette. Je me souviens que avant que je la perde entre guillemets parce qu'elle était en ma possession avant, donc celle que le prince veut avoir. Alors, petite parenthèse, ce n'est pas le prince qui vous a parlé de la cassette, encore une fois, c'est James qui vous a parlé de la cassette. Celui Oui, qui est mais en il l'a fait contact pour le avec vous. prince. C'est lui qui vous en a parlé. Bon, James, il veut récupérer la cassette et cette cassette-là en fait était en ma possession et avant en fait que je la perde. J'étais avec un groupe de personnes qui m'a aidé à l'hôpital quand j'ai eu des soucis. Et ils ont visionné cette cassette-là. Sauf que ces personnes sont, pour moi, pour la plupart du groupe, mortes, qui sont des chasseurs de vampires. Mais ils sont morts. Et en fait, normalement, il reste une personne qui est dans le QG où je suis allée, qui normalement devrait avoir gardé cette cassette. Donc, je pense que s'il y a un endroit où on peut aller creuser pour la chercher, je pense que c'est là-bas. Mais du coup, j'avais besoin de ta garantie que potentiellement le dernier membre du groupe, qui est du coup un membre du groupe de chasseurs, en fait, tu butes pas parce que bah, c'était quelqu'un qui m'avait aidé et qui n'est pas du tout dans le combat ou autre. Et on y va juste pour récupérer cette cassette. Et si tu le butes avant qu'il nous dise où elle est, on risque d'être embêté. Non, non, ça marche. De toute façon, c'est pas lui qui a attaqué mon clan, donc logiquement, enfin, j'ai aucune raison de m'en prendre à lui. Sauf s'il ouvre le feu sur moi. Oui, bah oui, non mais là après c'est juste qu'on fait pas comme là, genre toc toc et oh et puis je te bute quoi.
Ouais. Non, ça marche. Pas de soucis. Top. Bon bah on peut faire ça pour la casquette. Marché conclu. Bien. Très bien. Alors c'est pour vous rappeler encore une fois que James vous a demandé de ramener cette cassette parce qu'il le veut. Pour le prince peut-être. Ou peut-être pas. Enfin en tout cas il vous a dit ça. Et le prince vous a dit de retrouver les membres du sabbat du coup. Pour les éliminer. Voilà. Ouais. Du coup voilà. Alors que faites-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Oubliez pas qu'ici nous sommes dans vos appartements. Donc vous pouvez revenir à vos appartements quand vous voulez pour appeler vos contacts ou autre. N'hésitez pas à noter vos contacts ainsi que les lieux. Ça marche. Ok. Parce que du coup dans mon appartement il n'y avait que mon katana. Alors il y a ton katana ainsi que un ordinateur aussi pour contacter le prince, le shérif et James. Vous avez ces contacts-là ainsi qu'un téléphone. Pour le téléphone, vous pouvez contacter que James actuellement, par téléphone. Ça marche. Bah, tout dépend Sarah et Lily, parce que on peut très bien aller voir ton chasseur et récupérer la cassette s'il l'a encore. Ou passer à ton église du bonheur. C'est ça. Après, moi aussi, il faut que je passe, suite au coup de fil que j'ai passé à ma copine vétérinaire, il faut que je passe récupérer mon renard. Mmh. Qui n'est pas forcément une priorité, mais. Donc, à voir comment est-ce qu'on peut agencer les choses pour que ce soit. Et Sarah aussi, toi, de ton côté, tu dois aller au musée. Ouais, c'est ça, du coup. Enfin, après, c'est. Techniquement, je ne suis pas vraiment bien attendu, apparemment. Donc, Tu préférais y aller avec d'autres personnes, c'est ça? Ouais. Parce que après l'église du plaisir, ce que je propose, c'est que j'appelle mes deux potes Yakuza et ils y vont pour avoir des infos. Ou au moins, ils réunissent des infos pour savoir avec quelle mafia ils baignent, quoi. Ça risque, ouais. Après, en rappelant tes amis Yakuza alors que tu viens de couper contact avec les Yakuza, tu risques d'avoir des retours pour qu'ils reviennent te chercher et revenir un peu dans les pieds. Je te dis ça, tu peux, mais tu as des risques qui t'embêtent un peu par la suite. Ouais. Si tu leur donnes une mission, alors t'es déjà en soi-disant en mission, tu vois. C'est pas faux. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est aller récupérer ton email, ton renard, Lily, et ensuite aller avec Kaito. Enfin, après. Parce que sinon, on fait renard, ton pote le chasseur, okay. L'église du plaisir, et on finit par le rendez-vous de Sarah. Moi, ça me va. Du moins dangereux au plus dangereux. Ok. Alors, donc, vous partez où en premier? Confirmez-moi. Chez la Veto. Chez la Veto? Chez Emma, ouais. Très bien. On va chercher Blade. Alors, vous commencez à partir, à sortir des appartements. Donc. Du coup, attends, quand même, avant, on a. Enfin. Oui. On a prévenu le. Ouais, bah pour l'instant personne l'a prévenu donc. Oui, du coup c'est pour ça que je voulais faire avant. Elle est saluante. Ah, c'était cool, allez. Donc si quelqu'un veut la prévenir. Par le ménage. Oui, bah du coup je le fais comme. D'accord. Alors vous prévenez. Vous la prévenez. Tu la vois encore un peu tétanisée sur le lit, en train de respirer doucement, reprendre son calme. Fait très bien, très bien. Bon, de toute façon je me casse, puis tu vois qu'elle commence à prendre toutes ses affaires pour partir. Bah du coup, si jamais vous avez besoin, enfin, nous on est encore là, donc voilà. Très bien, merci. De toute façon, vous entendrez certainement plus parler de moi, je vais partir. Eh bien, j'espère que vous réussirez. Bonne chance à vous. Alors, du coup, vous allez partir. Et vous commencez à sortir de l'appartement quand vous voyez dans la cage d'escalier. Deux personnes qui vous... Enfin, une personne qui vous est familière. Ah. Oui. Une personne qui était déjà présent au théâtre. Mais... Vous ne lui avez pas parlé. Ensuite, il y a aussi... Hop, attendez... Ensuite, il y a aussi quelqu'un d'autre avec lui.
Et vous voyez qu'ils ont l'air de discuter ensemble et de se prendre un petit peu la tête. Ils ont pas l'air d'accord, mais ils chuchotent, ils ne parlent pas très fort. Et vous les croisez dans les escaliers. Alors là, vous tombez sur la première personne. Lui. Et il vous fait un grand sourire. Il vous fait... Vous êtes déjà en train de jouer les super-héros et ça fait à peine une nuit que vous êtes devenu vampire. Bordel, j'y crois pas. J'ai oublié pour les présentations, moi c'est Doyle. Je suis le baron Anarch. Enfin, l'ex-baron Anarch. C'est plutôt officieux actuellement. Enchanté, baron Anarch. Encore le titre d'une secte. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Alors là, il croise les bras et il dit « J'avais oublié que vous étiez à peine briefé. Ah, je crois pas que James vous laisse partir comme ça. Bref. En gros, je vais pas vous mentir, les jeunes. Ici, c'est la merde. Elle était une ville sous la coupe Anarch et la Camarilla est revenue. C'est loin de me faire plaisir, mais nous n'avons pas eu le choix d'accepter ça. Même si je n'aime pas la Camarilla en elle-même, nous en faisons officieusement partie. » Nous avons les mêmes lois, quoi. En face, nous avons énormément eu d'attaques liées au sabbat, et beaucoup d'anarches oublient ça. La Camarilla nous ont tout de même aidés et ont calmé le jeu, même si mes propres avis sur le prince et ses toutous sont assez divergents. Mais on en parlera plus tard. C'est un peu tôt pour vous. C'est sûr que c'est beaucoup à emmagasiner. Ah, et puis, les anarches, c'est quoi? C'est notre mafia que la Camarilla. Ah là 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 là. C'est... Alors tu vois que l'autre personne rigole. Et tu vois que Doyle à qui vous vous adressez, se retourne vers l'autre et fait « Kurt, s'il te plaît, arrête. En gros, nous, on évite les jeux politiques que joue la Camarilla. La Camarilla... C'est le prince William, c'est lui qui règne. Il est entouré de plusieurs personnes qui l'aident à diriger. Et ils se font appeler les primogènes. Il y a un primogène de chaque clan. Pour toi, Lily, il y a un primogène de Gangrel. Sarah, il y a un primogène de Malkavian. Et Kaito, il y a aussi un primogène de Broja. Enfin, une. Et d'ailleurs... J'ai entendu dire que tu passerais certainement voir les Toréadors, ça. Il s'agit de la primogène Toréador. Oh oui. Elle est un petit peu remontée ces temps-ci. Enfin bref. Tout ça pour dire que je m'en fous de leurs jeux politiques et trucs à la con. Nous, les anarches, nous voulons que tout le monde soit égaux. Nous voulons que la paix soit là et que tout le monde soit égaux et qu'il n'y ait pas de loi à la con et de prince pour nous dicter nos règles. À garder dans le coin de la tête. Ouais, à garder dans le coin de la tête. Tu vois qu'il rigole. Il fait « Bon, les jeunes, n'hésitez pas à passer dans notre garage. On a un bar collé à un garage. Ça s'appelle le Turn of Wheel. N'hésitez pas à passer là-bas. D'accord, on en reparlera. Par contre, faites attention aussi à qui vous parlez en s'étant troublé. La Camarilla, ils ont des yeux et des oreilles partout. Bref, faites pas trop de conneries. Oui. Ouais. Tu vois qu'il part. Tu viens, Kurt? Kurt fait, ouais, j'arrive. Alors tu vois que Doyle est en train de partir. Kurt attend un petit peu que Doyle parte et il vous regarde. Il fait, comme vous avez compris, la ville appartenait aux anarches avant. Et William est vu comme un sauveur, même par certains de mes collègues, on peut dire ça. Je pourrais parier un pieu dans le cœur que ce trou du cul veut se débrasser des anarches les plus gênants au point de les détruire en place publique. Il y a déjà eu des accidents ces dernières années, des vampires et des ghouls de la Camarilla tués sauvagement, alors méfiez-vous quand même. Merci pour l'information. Méfiez-vous. Parce que tout ça, ça nous retombe sur la gueule après, nous avons trinqué. Mettre ça sur le dos des anarches est bien facile quand on sait pas gérer ses rangs.
Bref, vous êtes encore jeune et j'espère que vous vous rendrez compte de la situation. Si un jour vous en avez marre de jouer les toutous et participer au Jihad, nous en discuterons. Mais bon, on a quand même quelque chose à faire avant de pouvoir. Ouais, travailler pour William. Oh non, surtout la vengeance. Groupe, sur groupe du sabbat. C'est. Dans ce cas-là, il le mérite. Mais bref, soyez plus attentif à vos alliés qu'à vos ennemis. C'est tout ce que je vous dis. Et n'hésitez pas à passer. Si un jour vous en avez marre de ce connard qui dirige du haut de sa tour. On pensera. Vous voulez lui dire quelque chose ou pas particulièrement? Non, Alors vous non. pouvez voir que Oui. Kurt est quand même beaucoup plus agressif que Que Doyle. Doyle. Il a l'air d'avoir des idées très extrémistes. Ah, Alors, il est plus franc aussi. tu vois qu'il est en train de partir, tu vois. Du coup, on l'a salué. C'est beaucoup à digérer quand même. Alors, vous entendez dans les escaliers, putain, t'as pas encore dit de la merde, hein. Non, non, t'inquiète et tout. Enfin, ils sont en train de partir. Après, vous entendez aussi, on devrait pas rester là trop longtemps et. On va encore avoir des remontrances après. Ouais, je sais, on doit pas s'approcher des nouveaux et tout. Enfin, vous entendez que ça part. Ouais, c'est comme il a dit, les ennuis leur retombent dessus après. Bon, du coup, on va y aller tranquillement. Voilà. On a eu la France insoumise qui est passée nous voir. Bon, oh. Très bien, donc vous partez au vétérinaire de chercher le. Comment il s'appelle Le déjà? renard. Blade. 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 C'est parti. Alors, du coup, vous êtes parti avec quelle voiture? Parce que, qui avait une voiture déjà parmi vous? Personne. On est venu en Potentiellement stop. moi. Kaito, je pense que tu avais une voiture tout de même. Normalement, oui. Donc, on est d'accord que vous êtes parti avec la voiture de Kaito. Marque japonaise, bien sûr. Marque japonaise, bien sûr. Magnifique. Mitsubishi, on part Donc, sur ça. Kaito, tu es le conducteur. À partir Voilà. de maintenant, tu es le conducteur du groupe tant que personne d'autre a pris sa voiture. Très bien. Alors, Ça fera 5 euros. vous arrivez devant le vétérinaire. Donc, comment s'appelle ton ami vétérinaire déjà? Emma. Emma, très bien. Alors vous arrivez devant le boulot d'Emma. Alors vous savez qu'il y a du travail de nuit, puisqu'il s'agit d'un grand centre de vétérinaire de Los Angeles. Vous êtes encore en voiture et vous êtes devant. Qu'est-ce que vous faites? Bah du coup, je leur propose s'ils veulent venir ou pas. Même si par rapport à Emma, ce sera plus simple si je suis toute seule avec elle. Mais ils peuvent toujours aller faire un tour de leur côté et voir s'il y a des choses qui les intéressent. Moi perso, j'attends dans la voiture. Bon, écoute, moi je vais te suivre. Ok. Plus jamais. Ok. Bon, bah, les filles vont ensemble et le mec reste à l'intérieur, c'est ça? Alors la caméra. Très bien. Du coup, les deux filles, donc Lily et Sarah, vous allez à l'intérieur. Vous pouvez donc rentrer à l'intérieur. Alors, quand vous rentrez dans le centre vétérinaire, vous sentez l'odeur un petit peu comme l'odeur de l'hôpital. Vous entendez pas mal de bordel provenir de salles de droite, de gauche. Et vous voyez plusieurs personnes attendre dans la salle d'attente. Donc une salle d'attente qui t'est familière, Lily, vu que tu as emmené tout le temps Blade là-bas. À l'accueil, il y a une femme qui est actuellement au téléphone et qui vient de raccrocher son téléphone et qui vous fait un sourire. Du coup, je vais me diriger vers elle pour lui demander si elle sait où je peux trouver Emma. Très bien. Donc tu te diriges vers elle. Oui. Bonsoir, que puis-je pour vous?
Bonsoir. J'ai mon renard en fait qui a été pris en charge normalement par Docteur Emma. Je sais pas si elle est là ce soir. Ah, mais vous êtes son ami, vous êtes. C'est vous qui avez le renard. Excusez-moi, je me souviens plus de votre prénom, elle m'en a déjà parlé, pourtant Lily. je suis totalement navré. Alors vous, tu vois qu'elle a l'air toute gentille, toute aimable et tout. Fait, oui, il n'y a pas de souci, je vais vous la chercher. C'est gentil, merci beaucoup. Alors là, elle est en train de partir. Combien de points de sang as-tu, Lily et Sarah? Alors, J'en ai 6. Sarah? j'en étais à 7 parce que j'ai bien résisté, j'ai manqué. Très bien. Donc, vous avez bien mangé avant. Ce qui vous évite la faim parce que vous sentez comme une envie quand même. Une odeur, l'odeur de sang sûrement qui doit être répandue quelque part dans une des salles, vous tente un petit peu, mais la bête est calme, la bête sommeille en vous. Vous l'avez nourrie, vous l'avez bien calmée. Du coup, tout se passe très bien. Alors, là, quelqu'un s'approche rapidement, avec un grand sourire, et des yeux pétillants, brillants. Emma, elle arrive à toute allure vers toi, Lily, comme pour te faire un câlin, comme vous faites habituellement. Comment peux-tu décrire Emma? Emma, physiquement, elle est grande, blonde, les cheveux au carré, Très bien. donc assez court, et les yeux bleus. Après, elle porte tout le temps des jupes, donc elle est rarement en pantalon. Et après, je pense que c'est tout ce qui peut être. Ok. Alors, elle arrive vers toi. Tu vois que Sarah, elle te regarde pas. Regarde pas trop. Te regarde pas de ton côté. Elle se dépêche d'aller vers Lily et t'enlace dans ses bras. Lily! Comment vas-tu? Emma, ça va très bien. Oh, mais Merci. qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vois qu'elle te laisse à peine la parole. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les polices étaient chez toi, on m'a dit que t'avais eu un accident, il y a eu des tirs à l'hôpital, et j'ai récupéré Blade. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as rien de cassé? Non, ça va, t'inquiète, mais je t'expliquerai, mais pas ici. Et merci encore pour Blade. Oh, je comprends, chérie, ma chérie, tu dois être tellement fatiguée, si tu veux dormir à la maison, si tu veux. Non, 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 t'inquiète, je suis pas fatiguée. Voudrais juste que je récupère Blade, mais je te présente Sarah. Alors tu vois qu'elle est Elle est surprise, elle avec moi. fait « Oh, bon, excusez-moi, madame, j'étais totalement perturbé, enchanté, moi c'est Emma, Enchanté, donc mon Sarah. amie Lily. Ah, vous vous êtes rencontrés comment? Tu m'avais jamais présenté Lily à Sarah? C'est compliqué, ça fait très longtemps qu'on s'était perdu de vue et comme elle est revenue faire un tour en ville, elle est restée avec moi et surtout suite à ce qui s'est passé, on s'est croisés vraiment au bon moment. Enfin, c'est un peu compliqué, mais du coup, est-ce que je peux voir Blade, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Viens, ma belle. Par contre, on prend un café demain. Là, je suis désolé, ce soir, ça va être difficile pour moi avec tous mes tout ce qui m'arrive. Mais si tu veux, on prend un café demain et ce serait cool. Bah écoute, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, en train de, enfin, avec tout ce qui se passe. Mais faut que je t'explique et tu comprendras un peu mieux. Mais je te promets rien, mais je vais vraiment faire de mon mieux. Ah non, mais Lily, tu peux pas arriver et débarquer comme ça et. Tu m'expliques ça. Bon, attends, viens voir Blade. Alors là, vous vous dirigez vers une zone où il y a plein de cages et vous entendez plein d'aboiements et vous entendez plusieurs chiens. Certains, malheureusement, couinent un petit peu, d'autres ont l'air en train de dormir, au calme, etc. Pendant ce temps-là, Kaito, tu es dehors. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou non? Non, je fume une cigarette. Alors tu vois, d'ailleurs, en fumant une cigarette, que tu n'as plus le plaisir d'avant. Tu sens comme si tout était sec dans ta bouche, comme si la seule envie maintenant était de retrouver ce breuvage que tu avais tout à l'heure, dans la poche de sang. En attendant, tu vois plusieurs personnes, des piétons, passer à droite, à gauche, et tu sens comme une attirance un petit peu vers eux, faire certains regards,
Tu les regardes et tu repenses à ce que tu peux boire sur eux. Et tu te rends compte que tu es différent. Pendant ce temps-là, du coup, de votre côté, vous êtes à l'intérieur. Alors, elle t'amène... Emma t'amène devant la cage de Blade. Blade a l'air... elle a l'air assoupie, elle a pas l'air très mal. Et au moment où l'animal lève sa tête, tu vois que ses oreilles se redressent rapidement, ses yeux s'écartent, et tu vois qu'il commence à faire la folle dans sa cage, tout en laissant un couinement sortir. Et tu vois qu'elle gratte à la cage, etc. Oh ma belle, ça va, ça va. Alors, tu vois que... Emma est en train de sortir la cage de Blaine. Et vous pouvez voir qu'il y a des animaux, des chiens qui commencent à prendre peur devant vous. Tu vois, ça commence à être le bordel dans la cage et les cages s'affolent, etc. Alors justement, Emma elle fait wow, 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 qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous, calmez-vous, on se calme, on se calme. Alors la cage est ouverte et Blaine peut venir avec toi. Donc, tu peux à présent contrôler le token de Blade. Ok. Bah, du coup, je lui demande si elle a juste. Du coup, normalement, il a un harnais et genre une laisse. Alors, savoir si elle a réussi à les prendre. Alors, elle te fait oui, oui, pas de problème. Tiens, elle commence à bouger un carton avec un peu de mal. Elle fait ah, attends. Là, elle bouge le carton et elle te donne le harnais, etc. Bah je lui mets pour pouvoir l'emmener et je la remercie beaucoup. Merci, merci vraiment beaucoup d'avoir pris soin de Blade, vraiment. Sarah, fais-tu quelque chose de particulier? À l'instant, tu vois les chiens qui sont un petit peu comme énervés dans la cage. Vraiment énervés, énervés d'ailleurs bah, ils ont comme un peu peur, comme s'ils sentaient qu'il y avait quelque chose de pas naturel. Dans la pièce, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai ma... Je vois des trucs ou pas? Alors, vis-à-vis de ta vision, rappelle-moi l'atout que tu avais. communiquer avec les morts normalement, ouais. Non, tu ne vois rien de pas, tu ne vois rien de particulier et pour communiquer avec les morts, non, ils ont l'air d'avoir peur plutôt d'une chose qui est en vous. Ils ont l'air d'avoir peur de vous un peu. Ouais, ils nous ont pas. Ok, d'accord. Ouais, bon, bah. Alors. Je vais juste faire signe à Lily que. Enfin, je pense qu'elle aura compris, mais. Faudrait y aller, quoi. Très bien. Alors, que fais-tu? De qui? Sarah et Lily. Que faites-vous? Personnellement, je vais saluer. L'ami Lily, je vais sortir. Ben, en voyant surtout qu'il s'agite vraiment je... okay. De la salle. Alors, ton ami, par contre, Emma te fait signe, mais Emma retourne vite la tête vers Lily et te dit mais tu m'expliques quand même un petit peu ce qui s'est passé, tu vas pas partir. Oui, 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 t'inquiète pas. Sarah, je te laisse retourner à la voiture, j'en ai pour 5 minutes et je te rejoins. Ok, ça va. Mais à tout de suite. À tout de suite. Bon, du coup, Emma, t'as vraiment pas à t'inquiéter. J'ai été bien prise en charge. En fait, ce qui s'est passé dans l'hôpital avec les tirs et tout, il y a eu beaucoup de confusion. Et en fait, j'ai été dans un mouvement de foule. Et surtout avec la personne qui me suivait, en fait, j'ai été emmenée. Et c'est un peu violent le mot que je vais utiliser, mais j'étais kidnappée. Et ça a été assez compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai pas donné de signe de vie par la suite, mais ils sont bien occupés de moi et j'ai été en arrêt par le médecin parce que c'est assez compliqué le choc, les émotions et tout. Et la première chose auquel j'ai pensé, c'était récupérer Blade. Et du coup, voilà, c'est pour ça vraiment que j'ai pas vraiment donné de nouvelles. Mais t'as pas à t'inquiéter, enfin, je suis en bonne santé, je suis pas blessée. C'est juste le choc et les émotions, quoi. Très bien. Alors... Je comprends, c'est... Waouh, je sais pas si tu suis un traitement psychologique maintenant, j'espère. Traitement, non, j'ai juste de quoi m'aider à dormir et...
Et je dois voir un médecin assez régulièrement pour le suivi, mais c'est pour ça que je te dis que c'est un peu compliqué pour boire un café demain. C'est encore un peu compliqué pour moi de sortir et de sortir toute seule. C'est pour ça que pour le coup, là, il y avait Sarah avec moi. Et elle te dit, ouais, enfin, moi, ouais, il faut que je t'explique. Que... Et là, t'entends la porte qui s'ouvre et tu vois que quelqu'un d'autre vient l'appeler. Emma, on a besoin de toi là. Emma, elle a fait, oui, ok, attends, j'arrive. Puis du coup, Emma te regarde et fait, est-ce que je peux t'appeler, je te joins à quel numéro? Est-ce que tu donnes ton vrai numéro ou pas du coup? Bah non, je dis plus que, je dis juste que pour le moment, enfin, je pense que je vais l'appeler. Mais qu'elle me dise quand est-ce qu'elle sera disponible et je l'appellerai quand moi je serai en état de l'appeler. D'accord, ok. Alors tu vois que elle a les yeux un petit peu tristes, elle est un petit peu déçue de cette réponse, elle te fait je comprends, bon, je vais travailler. Tu vois qu'elle baisse un peu la tête. Et ils sont en train de partir au boulot. Bah du coup je sors pour rejoindre Sarah, je vais pas lui courir après là, c'est pas le moment. Alors tu vois que Blade te fait la fête. Alors, en attendant, Sarah, tu étais presque en train de sortir pendant le même temps. Et Kaito, tu étais tout seul à la voiture. Kaito, pendant que tu fumais ta clope et tu étais en train de penser au monde qui t'entourait et ce qui se passait actuellement, tu apercevais une femme étrange au coin de la rue. Une femme étrange. Mais elle te dit quelque chose, cette femme. C'est la femme qui te hante chaque jour, qui est là. Et tu l'as vue apparaître au coin de la rue. Elle te regarde et te fixe, avec du sang sur les mains, sans doute le sang de sa fille. C'est le spectre est apparu. Je vais jeter mon mégot du coup. De toute Ouais. façon, je suis toujours dans ma voiture, du coup, je vais avancer la voiture ici. Ok. Et j'ai commencé à regarder nerveusement si Sarah et Lily arrivent, parce que c'est pas bon signe pour nous, quoi. Du coup, j'aimerais qu'ils sortent au plus vite. Et alors, au même moment, tu vois un camion passer. Cette femme se dirige vers la rue et le camion la traverse. Tu ne vois plus rien. Peut-être est-ce un nouveau contact d'elle. Quelque chose va peut-être arriver. Tu ne sais pas. En tout cas, tout ça t'a fait voir un chat aussi qui passait en miaulement, en miaulant. Et tu vois qu'il est en train de passer et longer le truc de vétérinaire. Et il attend au coin de la rue. Au même moment, tu peux voir Sarah en train de sortir. Je l'attends en pianotant sur mon volant, quoi, de manière assez crispée. Oh. Sarah, que fais-tu? Tu... Bon. Bah, du coup, je sors tranquillement et je suppose que j'entre dans la voiture. Enfin, si je vois rien, je vais essayer de regarder aussi dans la rue vite. Oh là, ton micro coupe. J'ai pas compris ce que tu... Attends. Ok. Là, tu m'entends? Ouais. Et du coup, je disais, je vais essayer de voir un peu ce qu'il y a dans la rue avant de Avant de monter, ok. la voiture. Ok. Donc dans la rue, tu vois qu'il y a juste quelques passants. La nuit est bien posée et n'oubliez pas que le jour peut arriver aussi. Il est actuellement pas loin d'une heure du matin, Ah. mine de rien. Et les gens passent, il y a quelques personnes et tu vois qu'il y a juste un chat qui est en train de se lécher la patte juste au coin, c'est tout. Sur le coup, par contre, en voyant le chat, je voulais juste tester la théorie de tout à l'heure et essayer de m'approcher un peu. Très bien. Tu t'approches du chat. Le chat te regarde en te fixant. Et tu vois qu'il ne te fait rien de particulier. Je le caresse. Alors tu vois Rien. Qui se crypte enfin qui se contracte, crispe un peu, et qui bouge pas, et on dirait qu'il n'aime pas trop les caresses. Et tu vois qu'il bouge un petit peu la tête et il n'a pas l'air de vouloir se laisser caresser. Bon bah, je vais le laisser. J'ai monté. Très bien. Donc tu montes à la voiture pendant ce temps-là. Lily, tu es en train de sortir. Enfin, tu peux les rejoindre à l'extérieur. Ok.
Ton animal, évidemment, te suit. Oui. Je suis partout. Alors, lorsque tu sors, tu peux apercevoir le chat miauler et se diriger vers toi. Et tu vois qu'il se caresse à tes pieds. Ok. Tu vois que Blême le regarde bizarrement aussi. Bah, je vais le caresser. Alors, tout en le caressant, tu entends qu'il ronronne. Non. Donc, désolée, Sarah. Non, mais t'inquiète, écoute. Non, bah, du coup, je le caresse, une ou deux caresses, et puis après, je vais chercher à monter dans la voiture avec Blade. Très bien. J'ai croisé le regard de Kaito et. On avait vu Kaito stressé. Alors. Le regard de jugement. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Alors, le chat attend devant la voiture et commence à partir tranquillement au coin de la rue et disparaît dans la rue. Très bien. Alors, vous êtes dans la voiture. Et Blême est assis et te regarde et te fixe tout le temps, Lily. Comme s'il était content d'être avec toi, mais il sentait qu'il y avait un truc qui avait changé. Mmh. Je le prends sur mes genoux et je la caresse. Donc... Très bien. Tu peux lui donner un ordre, il me semble, avec ton animalisme que tu as actuellement. Oui. Alors, n'oubliez pas vos disciplines aussi, parfois. Mmh. T'inquiète. Très bien. Alors, pour des ordres très simples, n'oublie pas que tu l'as déjà apprivoisé. Hein, donc, tu pourras lui, avec grâce à un lancer, tu pourras juste lui dire des ordres très simples, sans lancer de dés. Un ordre un peu plus compliqué avec un lancer, et si vraiment c'est un ordre un petit peu plus vraiment recherché, il faut que tu utilises ton animalisme. Pour le côté un peu surnaturel, évidemment, lui donner un ordre. Voilà. Après, c'est pas vraiment un ordre, c'est plus pour. Pour dompter un animal que tu as pas, je ne sais plus. Si, c'est pour donner un ordre, mais là pour le coup, avec Blade, c'est plus pour la rassurer. Très bien. Donc tu utilises ton animalisme ? Bah, je pense, si ça peut avoir un effet sur la rassurer, enfin lui faire comprendre. Alors, murmure sauvage. Donc il va falloir que tu fasses un manipulation plus animaux. Ouais. Et la difficulté sera de 5. Non, il sera de même 4, parce que c'est vraiment ton animal de compagnie. Donc, Bah, tu réussiras à la rassurer. Donc, voilà. 3. Difficulté de 4. Dé. Bah, super, tu peux même me relancer un dé. C'est un succès. Tu as 1, 2, 3 et peut-être un quatrième succès. 3 succès. Très bien, tu as 3 succès, alors l'animal te regarde et se met à se caresser, à se frotter un peu à toi et commence à tomber un petit peu sur le dos pour que tu le caresses dans la voiture. Voilà. Donc il a l'air d'être totalement calmé. Ok. Kaito, conducteur, Sarah, à côté, Lily sûrement derrière avec son animal. Que faites-vous ? Je démarre en trombe. Fini de rigoler les enfants, on y va. Alors, vers où ? Voulez-vous vous diriger du coup ? La direction le chasseur de Lily. Ouais. Avant c'est... le. Très bien. Okay. Ouais. On avait dit d'abord le chasseur, puis ouais. Après. Ouais. C'était dans un garage, du coup je laisse conduire et je lui indique. Tu te souviens de ça ? Très bien. Ouais. Alors c'est parti. Alors. Vous approchez avec la voiture, donc Kaito. Vous approchez d'un garage qui semble familier à Lily et Kaito. Lily, toi évidemment, c'est là où se trouve la planque des chasseurs, où ils t'avaient emmené quand tu étais humaine. Et Kaito, toi, c'est là où tu as fait une descente avec ton ami Yakuza pour retrouver les terroristes, enfin les présumés terroristes qui avaient attaqué ton clan. Donc c'est là-bas que tu avais vu l'invitation à la fête du hangar. Où tu es décédé aussi, avec Lily. Yes. Alors, vous arrivez proche du garage. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, moi, je laisse Lily passer la première. Ouais, moi, je leur dis juste... Bon... Je vous rappelle, on est là pour trouver la cassette. C'est des chasseurs de vampires. Au vu de ce qu'on est devenu, moins on en dit, mieux ça se passera. Donc on montre rien et on
part avec la cassette et... Et après, c'est fini. Si ça vous va. Ouais. Ça me va. Ça me va. Bien sûr. Tu peux voir que la porte, là, est grande ouverte. Celle-ci aussi. Tout est ouvert. On dirait que ça a déjà été fouillé ou des gens sont déjà passés aussi. Ok. Je rentre. Alors, ça te rappelle plusieurs souvenirs ici. Ça vous rappelle des souvenirs quand vous étiez humain et vous êtes passé. Votre dernière journée, votre dernière soirée. Vous rentrez donc dans le garage. Tout est sombre, vous n'y voyez pas grand-chose. Il fait assez sombre. Ok. Est-ce que moi je peux utiliser mon pouvoir ou pas ? Moi aussi. Tu as les yeux de la bête. Sarah, tu as quoi ? Ospex. Peut-être pour entendre un bruit ou okay, quelque alors, chose. Alors, commence déjà. Donc, Lily, tu as dit en premier... Lily d'abord. Non, il n'y a pas de lancer, il me semble. Tu as juste du malus avec les gens si tu parles avec un humain. Mais tu as un malus de moins 1 si tu parles avec un humain, tant que tu as les yeux de la bête. Mais ça te permet de voir dans le noir. Et pas vraiment... Sarah, tu as un lancer, toi, il me semble, pour l'ospex. C'est ça, ouais. Mais du coup, le lancer est réduit de 1. Les difficultés Excuse-moi, attends. Ça a coupé. Le lancer est... Le lancer est réduit de 1, je crois. La difficulté du lancer, je crois. Attends. Je l'ai sous les yeux. Ah, alors, attends. Dans ce cas, la difficulté pour recevoir un stimulus avec ce sens est diminuée de 1, mais la difficulté pour rester concentré en cas de distraction est augmentée de plus 1. Donc soit c'est sans sacru, c'est ça? Ouais. Ok. Tu me lances un perception plus vigilance. Et tu as combien au niveau de d'ospex? Tu as 1 du coup. Oui, j'ai 1. Ouais. Ok, très bien. Alors, perception et... Voilà, alors la difficulté serait de 6. Et tu as une difficulté de 5, parce que tu as 1 en ospex. Perception, vigilance, ok. Alors, hop. C'est parti. J'ai un 10. Nickel, tu m'as même pas de... Ok, tu peux me relancer, comme ça t'en... Allez, hop. Hop. Tu as 2 succès actuellement. Allez. Donc tu as 3 succès. Ok, alors Lily, toi, ça... Tu aperçois très bien le garage grâce à ton pouvoir, à tes yeux de la bête. Tu aperçois tout bien et tu aperçois cette porte-ci se refermer assez rapidement avec un petit bruit. Et Sarah, toi par contre, tu entends très bien le bruit comme si quelqu'un était en train de fouiller quelque chose et de se dépêcher de partir vers le sud. C'est vraiment à voix basse, quelqu'un essaye de fouiller. Je pointe la salle. Et j'ai entendu les bruits à peu près. Kaito, toi tu n'as rien entendu. Et tu as du mal à voir. Attends. Après j'ai sens affûté, je sais pas si ça peut. Alors sens affûté. Sur ma vue. Tu as sur ta vue c'est de quelle. C'est une compétence. Ça rajoute un dé sur mes tests de perception. Très bien, alors tu peux me lancer un test de perception. Difficulté 7. Ça marche. Ok. C'est une réussite. Oui, t'as une réussite. T'as une réussite. Alors, tu entends vaguement quelqu'un fouiller quelque chose et c'est tout. À peu près dans cette zone-là aussi. Ça marche. Après, dans mes souvenirs, quand j'avais été, il n'y avait pas d'autre porte, de toute façon, que... pour sortir que celle-là, quoi. Il peut passer par en bas ou pas? Par oui. Là ben, ah. Oui, il y avait une porte ici. Lily, tu t'en souviens, tu étais passé alors. Okay. Ouais. Après, est-ce que ça peut pas être ton pote qui est revenu chercher ses affaires? Ou peut-être quelqu'un qui essaye de les piquer. Je sais pas. En tout cas, il est en train de partir. Donc... Je vais faire un décompte en fonction de votre action. Est-ce que je peux donner un ordre? Et là, du coup, je pense que ce sera un peu poussé, mais j'aimerais bien donner un ordre à Blade. Oui. Non, ça va être trop loin. Je peux pas lui demander d'aller attendre là.
Ça va être beaucoup trop compliqué. Il peut faire le tour en d'extérieur, par extérieur, ouais. Ouais, je veux bien, et juste parce qu'au moins, par exemple, si la personne sort, Ouais. genre elle s'accroche à son pantalon, enfin, tu sais, histoire de ralentir, tu vois. Ouais, ok, très bien. Mais Alors, je voudrais lui donner un ordre. très bien. Alors, par contre, là, il faut que tu utilises ton animalisme pour lui parler, Oui. pour lui communiquer. Oui. Alors, dans Du la coup, faut scène, que il faudra donc que j'utilise. tu me décrives. Enfin, c'est comme si tu parlais avec l'animal. Donc, tu vas faire des sortes de crissements d'animal. Bon, tu n'es pas obligé de le faire, hein, encore une fois. Mais. Non, surtout le bruit du renard, je préfère éviter. Ouais. Si, si. Tu peux Compliqué. y arriver, nous avons faim en toi. Je prépare un enregistrement et je ferai genre c'est bon. Alors, tu vas me faire un manipulation plus animaux. Et là, par contre, pour l'ordre de difficulté 7, mais avec toi, du coup. Non, c'est bon, difficulté 7, parce que tu lui demandes du coup. Oui. C'est 5. Lolo! Oh lolo! Pouh! 2-10! Très bien. Ça m'évite de faire le cri du renard, ça. C'est un succès, évidemment. Allez, c'est franchement oui. Je te fais même pas relancer les 2-10, vu que en plus c'est ton animal quand même. Alors. Tu vois que Blade se dépêche. D'ailleurs, il ou elle se dépêche. J'avoue, je préférais que ce soit un garçon. Très bien. Alors, Blade se dépêche. Oui. Rapidement, il fait le tour du bâtiment. Tu l'entends sur ses petits pas courir à toute vitesse pour se mettre au point de sortie le plus proche. Pendant ce temps-là, que faites-vous? La personne se dirige rapidement. Vous n'avez plus que quelques secondes là. Je vais Ah utiliser ma ben on va foncer, hein. célérité. Tu utilises ta célérité? Ouais. Très bien. Donc pour te diriger, où exactement? Est-ce que là c'est ouvert? Pas du tout. Pas du tout. Seul. Non, là, toi tu vois que juste des portes qui sont Je vais fermées. passer par là, du coup. Par la porte qui. Ici, ouais. Ici? Ok. Ma célérité. Je vais claquer même un point de sang pour en valider un. Très bien. Alors tu peux utiliser un point de sang pour valider un. Hein. Hop, du coup c'est... Ta célérité, tu as d'autres. Normalement, vous avez tous noté vos. Mais du coup c'est quoi cette dextérité, vigueur? Attends, hop. Parce que le mieux, c'est que chacun note ses trucs pour. Ouais, donc. Ah oui, ok. Je vais te dire. Tu lances dextérité. Et. Athlétisme. C'est vrai. Ça marche. Et tu rajoutes tes points de célérité, hein, du coup. Ouais, ça a été fait. Ok. Alors tu as un échec critique. Donc ça t'enlève. Tu as un succès, deux succès, trois. Tu as trois succès. Donc tu te déplaces. Tu peux faire la description si tu veux. Tu te déplaces à une vitesse surhumaine. Je sprinte super, super vite. Oh, je me retrouve jusqu'où à peu près? Tu te trouves jusque-là. Donc tu gardes C'est la là. sortie. Très bien. Au même moment, Sarah, tu fais un truc ou pas? Ben écoute, Sarah va. Elle va aussi. Ben, techniquement, là, on n'a rien pour se défendre. Il n'y a que Kaito qui peut. N'oublie Qui pas, a. Sarah, malgré que tu sois une femme, tu es un vampire maintenant. Tu as Certes. de la force et tu as du sang en plus. N'oubliez pas que vous pouvez améliorer une compétence physique avec un point de sang, en Avec dépensant un un. point de sang. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez utiliser vos points de volonté pour ajouter un succès. Si tu te bats et t'as Voilà. tout loupé, t'ajoutes un point de volonté, hop, c'est bon. Ok, bah écoute, je vais aussi me diriger là-bas Très bien. pour soutenir Kaito, peut-être. Enfin, du coup, par contre, moi j'arrive, Toi, j'ai pas la célérité donc. tu seras à peu près là. Tu Ok. mettras un peu de temps du coup à arriver à ce moment-là. Et Lily, toi tu Je fais as pareil. t'as envoyé. Ok, très bien. Alors Kaito, toi tu arrives dans la pièce à toute allure. Tu es le premier à arriver évidemment. En face d'un type. Tu vois que ce type commence à prendre peur. Il t'a vu arriver à toute allure. Il prend peur. Ce type est assez. Se porte très bien, a des lunettes. Et possède quelque chose sur lui, il commence à avoir peur et commence à ouvrir la porte de sortie.
et se retrouve face à Blake Dumbledore. qui est en face et monte les crocs. Est-ce L'homme qu'il... recule, il fait non, je vous en prie, stop, stop, stop. Est-ce que c'est l'homme de la photo qu'on m'avait montré? Exactement, l'homme qui s'appelait Ça. Frédéric, donc d'après sa photo, il s'était marqué, il te l'avait dit. Ça me... Vous êtes Frédéric? Oui, mais si, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Mortel, ne me tuez pas. Je. Je pense qu'il y a quelqu'un qui aimerait vous Alors voir. tu vois qu'il tient un truc dans sa main, tu vois pas ce que c'est. Très bien. Lily, tu arrives avec Sarah. Vous arrivez en même temps. Vas-y. Du coup, je suis dans la même pièce qu'eux? Exactement. Ok. Fred! Alors là, tu vois qu'il est hyper surpris. Il commence à enlever ses lunettes, enfin à bouger ses lunettes. Il fait Lily, Lily, c'est toi, Lily, mais. Et là, tu vois qu'il devient blanc et il comprend ce qui t'est arrivé. Il fait, t'es comme maintenant. Tu vois qu'il commence à pleurer un peu. Il fait, je suis désolé. Je voulais tout faire pour pas que ça t'arrive, pour pas que ça nous arrive. Je voulais pas que John meure. Je venais juste récupérer la photo de ma fille, celle que j'ai perdue avec ma femme. Je suis vraiment désolé, Lily, pour ce qui t'est arrivé. Je voulais vraiment t'aider, toi, John et les autres, mais il était trop tard quand je suis arrivé là-bas. J'ai tout fait, vraiment tout, tout ce que je pouvais. Mais c'était un piège. Je t'en prie, laisse-moi partir. Je pars de LA. Je lâche tout, j'abandonne. Je fais plus partie de ces chasseurs. Je ne veux plus jamais en vivre ça. Je sais que c'était dangereux de revenir, mais là j'étais obligé pour elle. Puis il monte la photo, tu vois, en tremblant. Il fait, je t'en prie, Lily. Deviens pas comme eux. Deviens pas Fred, comme eux. calme-toi, calme-toi. Je sais, je me doute, tu ne nous aurais pas envoyé là-bas si tu savais que ce qui nous attendait. On ne te veut pas de mal, on veut juste savoir si tu sais où est la cassette. Tu sais la cassette qu'on t'a ramenée avec John quand il m'a récupéré à l'hôpital. Puis là, tu vois qu'il tremble encore, il fait. Puis tu vois qu'il regarde Sarah et puis Kaito, il est surpris de Kaito, de sa venue, son entrée fracassante aussi, qui ça a toute allure. Alors il fait. J'ai aucune idée d'où est cette cassette, je n'ai même pas entendu parler. Tout ce qui est sûr, c'est qu'elle filmait deux vampires ennemis. D'après mes recherches et la cassette que l'on avait visionnée du coup ensemble, l'un d'eux faisait partie d'un de ces dégénérés du hangar, et l'autre, sûrement de l'autre secte, dont je me rappelle plus le nom. Bref, le but était de profiter de balancer la vidéo pour instaurer le climat de guerre, mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu une collaboration. J'ai pu pirater un ordinateur là-bas. Au niveau du hangar, comme tu sais, c'est ma spécialité, c'était plus fort que moi. Quand ces connards sont partis, que j'ai pu échapper, mes poursuivants, je suis retourné au hangar et j'ai d'ailleurs entendu des bruits comme si j'étais le seul à y être passé, mais bref, comme si j'étais pas le seul à être passé. J'ai pu pirater l'ordinateur et comme tu sais, le groupe Serre d'Acier et le rendez-vous des chasseurs était un piège qui avait été créé et utilisé depuis des mois pour gagner la confiance de chaque groupe de chasseurs. On avait de vraies infos au début, mais j'ai pu constater qu'aucun des fondateurs n'était réel. Donc ça a totalement été créé par les vampires, mais le plus intriguant dans tout ça, c'est qu'il a été piraté quelques semaines avant l'accident du hangar. Certainement par l'autre secte. Je ne sais pas s'il y a une collaboration encore une fois, mais ça nous s'est retombé sur la gueule en tout cas. À ta place. Je chercherai pas à en savoir trop sur cette vidéo. C'est beaucoup de choses que tu me dis, mais merci. J'ai vraiment besoin de cette cassette. Il faut qu'on la voie de nos propres yeux et on a besoin. On en a vraiment besoin si on veut rester en vie. Il faut qu'une personne l'ait. Et tu sais vraiment pas ce qu'elle en est devenue. Tu l'as consultée quand on est venu ici. Alors Tu l'as regardée. tu vois que ses jambes tremblent de plus en plus, puis il fait Lily, tu n'es plus en vie, tu te rends pas compte de ce que tu es, tu es devenu comme. Je veux pas que tu deviennes comme eux, je t'en prie. S'il te reste encore une once de conscience, laisse-moi partir. Je m'en fous de cette cassette. Sarah, tu veux dire un truc peut-être? Ouais, Fred, sur le coup, je vais utiliser l'alignation pour le calmer. Très bien. Très 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 bonne idée. Lance aliénation, du coup. Du coup, alignation, charisme plus empathie. Il sait ce que vous êtes, difficulté 8. Ok, Il sait ce que vous êtes capable de faire et la célérité de Kaito ne l'a pas non plus. Bien normal. Ne l'a pas rassuré, quoi.
Bon, ça passe, je crois. Alors, Deux réussites. très bien. Tu as deux réussites, ouais. Trois? Non. Non, 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 deux. Deux, non, il y a deux. le 1 Il qui y en a un. annule. Très bien. Alors, tu utilises l'indignation. Alors, comment on me Du coup, décrit c'est une tu... heure. Durée d'effet. Enfin, pour. Pour son effet. Ouais, pour son effet. C'est ça, il me semble. J'étais en train de C'est chercher ça. l'indignation, du coup. Et T'inquiète, tu ouais, as... justement, deux réussites égale une heure. Très, très bien. Ok, alors tu vois qui commence à se calmer un petit peu. Il se Calme sent un petit vous, peu comme tout va bien détendu se d'un coup. Il passer. fait... Je sais pas ce qui... Tu vois, il se sent un peu bizarre. Il se regarde un peu et... Il fait... Je sais pas, j'en sais rien de ce qui est devenu cette cassette. Je suis pas au courant de tout ça. Qu'encore une fois, quand je suis arrivé au hangar et que j'ai fouillé les PC, j'ai entendu des bruits au moment où ils sont partis. Donc sûrement quelqu'un est passé aussi au même moment que moi. Vous n'auriez pas des caméras dans la. Je sais qui pourrait nous aider à savoir qui est passé. Au niveau du hangar, non, en tout cas, je ne vais pas y retourner, hein, ce hangar. De toute façon, il ne reste plus rien maintenant, ils ont à moitié incendié tout. Si la cassette est quelque part, c'est certainement plus au hangar. Ça, c'est Très sûr. bien. Et Merci. je vois d'ailleurs, je vois pas ce qu'ils foutraient avec cette cassette, si ils ont collaboré, j'en sais rien. Je comprends plus rien. Mais la cassette, tu l'avais pas ici? Comment elle a fait pour sortir? Mais non, rappelle-toi, Lévi, vous êtes parti avec dans le but de justement utiliser la cassette là-bas pour foutre la merde. C'était pour qu'on instaure un climat de tension entre les sectes. Parce qu'on a pu capter une conversation entre deux personnes de sectes différentes, qui étaient sur le point de se battre, mais qui parlaient et avaient l'air de parler de quelque Là, chose du qui coup, se trame. je me tourne vers Kaito et Sarah et je leur dis, bah, si elle n'est pas revenue ici ou qu'il l'a pas trouvée là-bas, si elle est sûrement encore entre leurs mains, soit elle est sur place au hangar où du coup on s'est fait Ça m'étonne. transformer ou alors c'est le sabbat qu'il a entre ses mains. Oh, génial. Alors Bon. Kaito, n'oublie pas que tu peux aussi lui poser des questions parce que ton clan t'a aussi amené ici. Pendant un moment. Enfin, tu les as pris pour des prétendus terroristes, un moment. Après, là, je viens d'avoir pas mal d'explications quand même. C'est vrai. Là, en réalité, juste la conversation m'a suffi. Hein. Puis, de toute façon, là, c'est visiblement pas le mec qui a tiré. Sur un Yakuza, quoi, c'est. Ça, c'est clair. Il n'a pas l'allure d'un mec qui tire sur des yakuza, en tout cas. Par contre, je vais le regarder et je vais lui dire, seriez-vous, je me barrerai d'ici le plus vite possible et le plus loin. Et je reviendrai jamais. Et j'aurai oublié tout ce que j'ai vu. Alors, je te lance même pas d'intimidation vu que il est déjà en panique, le pauvre. J'ai calmé quand même, Mais tu l'as c'est-à-dire. calmé, c'est vrai. Il casse ton travail encore une fois, Sarah. Alors, très bien, Alors là, il commence à te regarder, il fait oui, je vous en prie, je t'en prie, Lily. Est-ce que je peux partir? Oui, tu peux. Blade te laissera passer. Merci. Mais prends soin de toi et fais attention. Très bien. Kaito, enfin, il te regarde, il fait merci, merci monsieur. J'y vais. Alors, il commence à partir. Et tu vois qu'il est en train de charger quelques derniers trucs dans son van. Avant de partir de LA, on dirait. Ah, je viens de penser à quelque chose. Tu peux encore lui parler avant qu'il soit Il parti. faudrait que Lilith essaie de voir s'ils n'ont pas encore des armes dans le coin. Ouais, Parce c'est que pas bête. si on doit retourner là-bas, s'ils y sont encore, ça va être chaud chaud. Ok, Il n'est pas encore alors, parti là, vous non? avez entendu parler que le hangar a quand même été brûlé. Donc maintenant, le hangar est... Je pense pas que ce soit très intéressant de retourner. Après, vous, cela dit, vous pouvez toujours y retourner. Bon, on aura quand même besoin des armes. Au pire, t'as une voiture, on peut les mettre dans le coffre. Du coup, je le rattrape, je suis Fred, excuse-moi, je peux t'embêter encore une dernière fois? Tu vois qu'il sursaute un peu, il fait. Oui, bien sûr. Est-ce que par hasard, il y aurait encore des armes dans le garage qui resterait que les garçons n'auraient pas emmené avant de partir et que vous n'aurez pas Alors, pris? il regarde dans sa camionnette vite fait, il fait non, 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 on a tout dévalisé, hein, je devrais partir.
L'hélice, franchement, sincèrement, fais quelque chose. Les laisse pas se corrompre, les laisse pas tout. Deviens pas comme eux, je t'en prie. Mais justement, on veut se battre pour pas que ça s'aggrave. Mais pour ça, si on a besoin de récupérer et déjà de venger en même temps la mort de John et Lucas, il faut qu'on ait de quoi se battre. Parce que... ces personnes-là, t'as vu de quoi ils étaient capables, on pourra pas les affronter seuls. La secte dégénérée du hangar, en tout cas, je vois pas pourquoi ils garderaient la cassette. C'est pas dans leurs habitudes, souvent ils rasent tout sur le passage. Oui, mais par rapport aux conversations que t'as vues, peut-être que ça pourrait leur servir. Et il faut absolument qu'on la récupère. Allez, une cassette comme ça, pour que ça ait créé autant de bordel, c'est que c'est important. Ils sont obligés qu'ils la gardent, ou qu'ils la donnent, ou qu'ils la donnent à quelqu'un. Mais... ok. Tu vois qu'il sort que juste John et un Lucas 9. Soient pas morts pour rien. Il te sort un 9 mm. Il dit, écoute, je t'en prie, dis, parle pas aux autres d'armes, à tes potes ou je sais pas quoi, j'ai pas confiance. Je te laisse juste ça parce que j'ai pas pu te sauver. Et il te donne des munitions qui vont avec, il te donne deux charges. Ok. Merci. Alors donc tu peux noter 9 mm dans ta fiche. Ouais. Dans le changement de map, je te donnerai le nécessaire. Alors, Sarah et Kaito, que faites-vous en attendant? Bah, personnellement, je vais un peu fouiller peut-être, du regard, voir un peu ce qu'il y a autour. Alors, du regard, quand vous êtes rentré dans la salle, je vous ai pas décrit parce que tout s'est passé hyper rapidement et vous aviez été focus sur le mec, mais il y avait des cibles ici, des cibles d'entraînement. Il y avait aussi apparemment des emplacements d'armes, où il y avait pas mal d'armes avant. Mais je pense que cet endroit a été fouillé plusieurs fois. Ah, plusieurs fois, donc plusieurs personnes sont déjà venues, quoi. Apparemment, c'est un peu le bordel, etc. Est-ce que Blade, avec l'odorat, il peut pas essayer de retrouver quelque chose? Techniquement, je peux essayer aussi avec sens accru. Tu peux utiliser sens accru pour essayer de retrouver quelque chose et Blade peut retrouver quelque chose, mais il faut que ce soit un truc qui attire l'animal quand même un minimum. Ouais. Une odeur, si tu cherches un rat ou un truc comme ça peut-être, mais pas des armes, quoi. Tu l'as pas. Après, si tu lui fais renifler l'odeur de la poudre, ça peut passer. Il faudrait que tu utilises, que tu prennes du temps pour lui enseigner ça. Tu peux faire entre des sessions, okay. Me préciser ce genre de choses. Bon. Ok, je vais prévoir ça. Pour moi, du coup, je peux tenter avec Ospex ou pas? Tu peux tenter sans sacru, en effet. Ouais. Allez, bon, bah, du coup... en perception et vigilance? Alors, ça serait pas pour fouiller, ça, c'est pour voir s'il reste pas un petit truc vraiment... Ouais, si, lance-moi perception et vigilance si quelque chose d'important est là ou peut attirer l'œil ou peut être intéressant. Ok. On le dévoilera. Hop, c'est parti. Ouais, du coup, tu. Ouais, donc c'est bon. Le 10, non. Du coup, tu ne trouves rien de particulier hormis, on dirait, des cadres de photos de famille qui sont restés et des cadres avec d'autres personnes, sans doute John ou Lucas, avec leur famille. Ouais. Peut-être des objets qui ont appartenu à leur passé, qu'ils comptaient absolument garder ici pour les motiver à chasser, sans doute. Et un ordinateur qui a l'air un peu cassé. Quand tu as fait le tour du lieu, évidemment. Un bureau avec un ordinateur qui a l'air cassé. Récemment ou... Bah, il a l'air cassé, tu vois qu'il a l'air cassé, tu sais pas si c'est récent, mais c'est pas. Enfin, tout s'est passé il y a très peu de temps, de toute façon, vous êtes mort il y a 2 jours, quoi. Donc, ouais. Il y a une journée et demie. Il est cassé, ou on peut récupérer des trucs Bah, il y a des composants informatiques, si tu veux, mais c'est le seul truc que tu peux récupérer si t'as besoin. Écoute, why not? Fais quelque chose. Kaito, en attendant, fais-tu un truc de particulier? Oui, je suis parti aux toilettes. Me rafraîchir le visage, voilà. Très bien. Alors, pendant que tu te rafraîchis le visage, tu vois la porte des toilettes qui se ferme derrière toi. Je la rouvre. Voilà. Tu vois qu'au même moment, elle se referme de nouveau.
Nope. Et la poignée vibre. Je donne un grand coup de pied dedans. Puis pour passer. Très bien. Je te laisse. Ouais, lance-moi un jet de force quand même. Lance-moi un jet de force. Difficulté... C'est ainsi que Kaito se casse le pied. Difficulté 5. Difficulté 5. Ah, quand même. Très bien. Ça alors va. Tu. Donc, deux succès. Donc, tu ouvres la porte et tu vois que la poignée est... casse aussi. Et le coin de la porte aussi. Alors, à ce moment-là. Tu vois que la lumière du toilette clignote alors qu'elle n'était pas allumée, elle s'allume, zzz, ça se clignote, zzz, et tu entends. Tu veux mourir, mourir. Ce que tu as fait. Et tu entends une sorte de respiration. C'est encore ton spectre qui te suit apparemment, qui aime t'embêter. Pour l'instant, rien de très méchant en tout cas, mais. En tout cas, je lui réponds à voix haute. De toute façon, je suis déjà mort, visiblement. Tu endureras plus que ce que tu as pris. Et tu vois que la lumière s'éteint. C'est... Je vais m'en aller. Très bien. Ouais, je me barre et... J'essaie d'avoir l'air naturel alors qu'il y a Sarah qui est juste là. Au même moment que tu sors... Un des livres qui était posé ici, une Bible qui était posée ici, tombe à tes pieds. Oh. Et plusieurs pages se mettent à bouger. Sarah, tu aperçois ce phénomène aussi. Le livre s'arrête sur une page sur l'Apocalypse, sur la GN, sur la fin du monde.